2022, nous avions glissé dans une coulée végétale faite d'arbres penchés qui nous regardaient passer tel que si nous étions des touristes dans un tube d'aquapark. Tandis qu'autour de nous, la végétation souffrait les martyrs, les incendies ravageaient des dizaines de milliers d'hectares de forêt. Les cataclysmes climatiques n'en étaient pourtant assez balbutiement. Les experts affirmaient que dans quelques années, nous nous souviendrons de cet été avec regret. Les radiations de la lointaine centrale Zaporizhia parvenaient jusqu'à l'écran, brouillant ma musique intérieure pour lui donner ce grésillement si caractéristique du noise. Nous tournions autour de Turenne dans une randonnée sans eau, comme voulant inconsciemment montrer à nos chers la marque du monde prochain. Je m'essayais aux nouvelles formes de narration, abandonnant définitivement le format surfait, l'attirail étriqué de livres, nouvelles, recueils de poèmes. Paradoxalement, j'empruntais une technique venue de l'aube de temps, le crachis des hommes de Cro-Magnon, projetant mes impressions avec ma bouche directement sur ma main, faisant office de pochoir. Un variant plus naturel du street art. Quand est-ce que la libre expression deviendra enfin une épidémie? Sur les écrans d'une plateforme de streaming, Have a Good Trip vantait la culture psychédélique. Elle me rappelait qu'ici, dans l'Hexagone, le label morné que j'animais était le pionnier de la musique psychoactive. J'étais là de faire semblant de créer des musiques accessibles alors qu'il n'y avait plus de récepteurs, ou jamais eu de récepteurs autres que les arpenteurs de l'inaccessible, les découvreurs de l'impossible, ceux qui, comme toi, voient à la source qui n'a pas encore été polluée par la société du spectacle. Comble de l'ironie, durant cette marche, pas un instant je n'avais vu en tête les flashs du diaporama
qui était venu s'intercaler au milieu du flou du joueur, produisant un néant la beauté de son épouse. Seule concession au concept de carte postale, mais en forme de pionnier, l'incrustation du pied de masse photographique dans le village de Colombes-la-Rouge avait été le théâtre lors de mon passage estival. Réponse critique à la suite d'une projection commentée à la Bénin, à l'intérêt d'un spectateur qui se discipline aimé par les photographes qui se respectent. Par contre, j'étais hanté par l'étrange mélange de la fréquence 104.1 de deux radios. Le mien monstrueux de ses sources sonores jaillissait un programme hybride en tout point remarquable. Si je voulais encore parler, écrire encore un article, c'est ce que je ferais. Je ne chercherai pas à m'intéresser à quoi que ce soit d'autre que dévoiler le fond de mes pensées les plus secrètes, exhiber ma fréquence intime, traduire une forme d'humour transgressif, un regard singulièrement décalé, juste avec l'espoir que cela puisse résonner en toi, et ainsi me convaincre que je ne suis pas seul à rêver d'une autre vie. Une main d'enfant tendue dans les vides pour entrer en contact. Et comme j'aime chambouler ma raison, peut-être aussi, à la façon d'un truc de LSD, remettre en cause ce qui me paraît immuable. Et si mon éternel présent, auquel je me rapproche comme tout un chacun en quête de permanence, n'était qu'un tour de mon esprit pour éteindre mes corps. Que je puisse moi aussi évoluer librement, il me faudrait abandonner la norme brisée à mes pieds comme un mauvais souvenir. Nous sommes multiples, carrefour de courants contraires et complémentaires. L'autre qui se croit libre la baise en secret du bout de l'œuvre. Fort heureusement, la base du fantôme d'Isidore Izzy le garde à bonne distance de toute tentative grossière d'illustration. Quant à moi, je n'ai plus besoin de m'exprimer. De même, celui qui veut tout comprendre ne comprendra jamais rien. Celui qui veut tout dire n'a vraiment rien à dire. Parfois, je laisse encore le fragment d'un voyage sans commencement ni fin, et c'est tout. À la façon du prisonnier qui jette à travers ses barreaux de bouteilles à la mer, qu'un jour, sur le rivage, il en trouve une et puisse se souvenir qu'il n'est pas le premier à faire ce chemin. Impression fugitive d'un instant partagé, sans destinataire précis. Sincère salutation sonore. Finalement, de notre passage, il ne reste que des traces dans une caverne ou sur la vaste toile mondiale. Celui qui aurait pu les décoder est parti. Il en a fait usage pour changer sa vie, ou s'en est détourné pour sombrer dans les bouches.